Salut tout le monde! C'est KevoSlam 3.0 pour une toute nouvelle vidéo qui s'intitule Mes trouvailles au Black Friday, le vendredi et le samedi, plus mes 5 coups de cœur en jeu vidéo. Maintenant, on va commencer par mes trouvailles au Black Friday. On commence par un petit jeu PS4 qui est Micro Machines World Series, qui est sous blister. Ensuite, nous avons un Jean of Mayen, voilà, qui est sous blister également. Vous me direz si c'est des bons titres ou pas sur ces jeux-là. Pour ma PS7 Wii U, j'ai réussi à trouver par exemple Tokyo Mirage Session hashtag fait. Voilà, un très bon jeu de RPG et tout le bazar. Vous me direz dans l'espace des commentaires si ce sont des belles trouvailles ou pas. Et je vous dis pas le prix que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé Rodea The Sky Soldier. Voilà. Un très bon jeu Wii U pour ma full set Wii U. Et je remercie par exemple Dark Magikarp de me conseiller par exemple Fire Punch. N'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo. Par exemple, mes 5 coups de cœur en manga. Voilà. J'ai réussi à trouver par exemple les 3 Fire Punch. Le premier tome, je suis en train de le lire. J'ai le tome 2 et le tome 3 par les créateurs de Tokyo Ghoul Re. Enfin, par les auteurs de One Punch Man. Et l'auteur de Tokyo Ghoul seront très fidèles à ce manga et tout le bazar. Ce sont des excellents pépites qu'on peut trouver dans les mangas. Ensuite, nous avons Monster Musume Everybody Life White Monster Girl, les tomes 1 et 2, que j'ai réussi à trouver par exemple chez, par exemple, Slumber BD World. Je vous mettrai par exemple le lien de leur page Facebook dans la description. Voilà. Vous me direz si ce sont de bons mangas et tout le bazar. Maintenant, on va passer aux 5 coups de cœur des jeux PS4, mais c'est uniquement qu'en jeu vidéo. Le premier, c'est par exemple Crash Bandicoot Headset Trilogy en 5e position, qui est bon de retrouver la trilogie des Crash Bandicoot. Vivement qu'ils fassent la trilogie de Spyro en remasterisé comme le Crash Bandicoot. En 4e position dans mes coups de cœur favoris, c'est le South Park Lana du Destin. Voilà. Un très bon RPG où qu'on incarne par exemple un nouveau héros, qu'on a le choix entre chaque classe de catégorie de super-héros. Pour rejoindre le Kun et sa bande, en fait, le Kun, c'est en fait Cartman sous son déguisement la nuit. Ensuite, nous avons, par exemple, l'attaque des Titans sur PS4 en 3e coup de cœur, en 3e place de mon coup de cœur favori. En tout cas, j'adore attaquer les Titans dans ce jeu-là. Mais, en tout cas, il fait partie de mes 5 coups de cœur de l'année 2017. Ensuite, nous avons Little Nightmare, qui est un très bon jeu où on doit s'échapper d'une maison et tout le bazar sans se faire attraper. Voilà. Ensuite, l'un de mes coups de cœur favoris, c'est le Shovel Knight. On retrouve par exemple des jeux en 2D et tout le bazar qui ont été réinventés en PS4 en version 8-bit, mais que j'ai réussi à trouver au vide-grenier de Templou. N'hésitez pas à aller la checker au-dessus du i. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions pour ma FAQ et tout le bazar.
N'hésitez pas à me suivre dans l'espace des à me laisser vos commentaires les plus positifs et tout le bazar. Et à me suivre sur ma page Facebook ou par exemple sur mon Instagram. Et donc, ce qui conclut cette vidéo qui est magnifique à souhait, je vous embrasse tous. Bye bye et un bon week-end à vous.